Ah là là, je suis trop contente. Oh mon Dieu, ça y est. Attendez, c'est mon jour, le jour historique. Je rentre là pour décider des lois concrètes contre le pour le peuple. Bravo, je suis tellement contente pour toi. Je suis tellement fière. C'est un grand plaisir. Madame, voilà, ça vous dit tout est possible. Faut pas baisser les bras. J'ai lutté pendant 22 mois, mes collègues et moi, contre le groupe Accor. On les a mis en genoux. Face au ministre Roxana, je l'ai mise en genoux. J'ai pris la Coupe du Monde et je vais à l'Assemblée nationale. Combien de rassemblements on a fait devant l'hôtel Ibis pour la soutenir, pour soutenir cette grève. Et donc, c'est toutes ces émotions-là de voir l'incarnation de tant de combats qu'on a embrassés, qu'on a encouragés et qui vont avoir une véritable voix à l'Assemblée nationale. Je pense que ça, on m'a donné ça. Je dois aller en formation hein, parce que... Il est l'envers là. Ah pardon, voilà, vous voyez déjà, ça commence mal. Voilà, j'ai tout ça. C'est le règlement. Voilà, j'ai tout ça, donc je dois lire ça pour comprendre quand même comment est-ce que l'Assemblée nationale fonctionne. Qu'est-ce que vous ressentez là, là en médecine? Mais la joie. Et je suis rentrée surtout à l'intérieur, tu te crois comme si c'était le paradis. Hein. Voilà, et je dirais à tout le monde peut être député, hein. Tout le monde peut être député. C'est, voilà, je suis un exemple. Je suis un exemple, comme je peux dire, un exemple historique. Il y a ça, on m'a dit que je peux poser ça sur ma voiture. Et comme je n'ai pas de voiture, peut-être je vais poser ça sur ma tête.